Salut guys, écoutez, on s'est mis à 2 mètres de distance, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de masque. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On a un petit training pour vous, c'est un full body, donc un training mixte. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que t'es prêt, Pat? Je suis prêt. Excellent, bon ben c'est parti, on commence avec des jumping jacks. C'est parti. On y va pour 20. 3, 4, 5, 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 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, le deuxième exercice, c'est des steps. Vous pouvez prendre vos escaliers à la maison pour les faire. On y va pour 20 steps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On y va pour 10 burpees. Pas de push-up les burpees. C'est parti. Ouh, quelle synchronisation. Wow. En passant, je vous dis bonjour. C'est M. Aguilar. Vous avez reconnu ma belle voix. Merci. Je m'entraîne pas aujourd'hui. Le bienfait d'être le plus vieux du département. Pause de 30 secondes, on respire. Monsieur Aguilar, vous devriez aller nous mettre de la musique. Non, on ne peut pas mettre de musique. Pas de musique? À cause des droits d'auteur. Ah. Donc, c'est un workout, pas de musique. Tu peux mettre ta musique à la maison et nous regarder faire. Si vous voulez, je peux chanter une chanson. Chante la ta chanson. OK, j'espère que vous êtes prêts. On repart. 3, 2, 1, c'est parti. On va pour 20 jumping jacks. La chanson de ton cœur. La chanson de ta vie. 9, 10. Coach Fred est trop vieux pour connaître cette chanson-là. Elle est trop jeune, je veux dire. 18, 19 et 20. On y va pour 20 steps. Et c'est parti. 1, 2, 12, 13, 15. 18, 19 et 20. 10 burpees. Allez, c'est parti. 3, 5, 7. Faut pas que je perde ton beat. 8 et 10. J'ai bien compté. Donc, on a fini avec le warm-up. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? On a le warm-up qui est le A. Partie B, C et D. Partie B, haut du corps. C, gain abdominal. Et D, les jambes. Donc, le B, on le fait 3 fois. On a 15 push-ups et 30 mountain climbers. 3 fois. À chaque set, on a un petit 30 secondes de pause pour récupérer. Donc, on se place, 15 push-ups, 30 mountain climber et 30 secondes de pause. 3 fois, M. Aguilar va corriger ou donner des commentaires à passer pendant qu'on s'entraîne. 15 push-ups, c'est parti! 1. Surtout, descendre le plus bas possible, le plus près possible du plancher. Faut pas que tes bras soient trop écartés non plus. Et 15. Et c'est parti pour 30 mountain climbers. 2, 3. Important que tu bascules pas tes hanches de gauche à droite et le garde le plus stable possible pour vraiment aller chercher tes abdominaux. Les triceps vont travailler aussi puisqu'ils ont travaillé dans le push-up. 30 secondes de pause. Let's go, guys. Si vous faites bien ça en ce moment, n'oubliez pas de respirer pendant l'exécution de vos mouvements. C'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on commence à trop forcer. Donc, allez-y avec le tempo. On respire quand on pousse et on inspire quand on descend. Attention, on reprend avec 15 push-ups et c'est parti. Donc, on inspire quand on descend et on expire quand on pousse.
Essaie de regarder un petit peu plus vers l'avant ou de toi, pas trop vers le bas, comme ça tu forces pas du cou. Lâchez pas, Mme Labelle. Coach Fred, lâche pas. 15. Et 15. On y va avec 30 mountain climbers. C'est parti. Commence à chauffer dans les pectoraux. La meilleure façon là, de placer tes mains quand tu fais des push-ups, là, c'est ouvert en vis-à-vis tes épaules. Donc ça dépend. Plus tu veux travailler les pectoraux, plus tu veux y aller large. Plus tu veux travailler les triceps, qui sont le derrière des bras, plus tu te rapproches de toi. Donc l'idéal, si on veut compromis entre les deux, on y va semi-écarté, donc légèrement plus large que les épaules. Et quand on descend, on essaie de donner un angle de 45 degrés à nos coudes vers l'arrière. Vous êtes prêts? On y va pour 15 et c'est parti. Belle technique. Si c'est trop facile, on peut y aller avec clap pour les 5 derniers. 9 et 10. Allez-y, on met des claps, coach Fred. Ouais. Ouais. 11 et 15. Yeah, bravo. Peut-être le faire sur un tapis. Si tu te pètes la face, au moins tu ne la pèteras pas sur ton plancher. Sur un tapis, c'est moins pire. Ah, lâche pas, alors. T'es supposé de commencer à t'essouffler un peu, là. Un peu? Ouais. Si tu travailles fort. D'après moi, ça fait longtemps qu'on est essoufflé. Oh! Good job. Woo! OK. 7B terminé, on passe au 7C, on a 4 exercices et on fait le 7 deux fois. On n'oublie pas qu'on a 30 secondes de pause entre les deux sets et on reste motivé. Donc je vais tasser mon escalier. Est-ce que tu veux les expliquer tout de suite, coach Fred? 4 exercices, je vous les montre avant qu'on commence. Le premier, le kick gainage. On vient placer ses mains sous ses fesses. Les jambes à 5 cm du sol et on vient kicker. 5, 20 fois. Après, on a les crunch. Donc, on reste dans la même position. On passe simplement jambes à 90 degrés, mains en X et on vient faire un demi-crunch. Si jamais quelqu'un trouve ça facile, qu'est-ce qu'il pourrait faire, coach Fred? Pour rendre ça plus dur, ouais. Prêt à mettre les jambes droites, les bras en arrière et on vient monter. OK. Alors, vous avez après, on passe au Russian Twist. Jambes croisées ou jambes collées. Dos à 45 degrés, on vient toucher de chaque bord. Si c'est trop facile, jambe droite. Et pour le dernier, leg raise. On redescend au sol, main sous les fesses. Et on vient monter à 90 degrés. Si c'est trop facile, une fois en haut, on pousse. Good. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence avec le kick gainage. 20 kick gainage. Attention. Et c'est parti. Alors, c'est important que ton dos touche au sol? Ouais. Oui. OK. Plus haut, Madame Lebel. Plus haut? Plus bas. Est-ce qu'on doit lever la tête ou on peut garder la tête au sol? On peut garder la tête au sol, mais si on lève la tête, c'est plus facile. Et c'est terminé. C'est plus facile d'avoir le bas du dos collé au dos. Au sol. On passe au crunch. C'est parti. 30 crunch. L'important quand tu fais un crunch, c'est décoller les épaules puis les omoplates. Gardez peut-être un point fixe vers le haut. Comme ça, tu ne forces pas du cou. Ce n'est pas ton cou que tu élèves, mais bien tes épaules et tes omoplates. Belle technique. Madame Labelle est fatiguée. Déjà. 9 et 30. Parler en même temps de faire les abdos, c'est pas facile. Russian twist, on enchaîne. Les mains ensemble pour être sûr de ne pas tricher. Et c'est parti. Moi, hier, j'ai pelleté parce que, hein, on est la journée, on tourne aujourd'hui, puis on croyait avoir un congé de neige. Finalement, non. Donc, hier, j'ai pelleté beaucoup. Je suis un peu raquée aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu plus difficile. En fait, je trouve ça toujours difficile. 35, 37, 38, 39, 40.
On termine avec les leg raises. Let's go, après c'est la pause. Hey, on lâche pas. C'est normal que ça brûle. Quand on respire, c'est parti. Quand on respire, ça fait du bien. On amène de l'oxygène à nos muscles. Puis c'est la douleur, c'est signe qu'on manque d'oxygène. Et qu'on travaille, naturellement. Vous êtes à combien, madame? 7. Non, 8. 9. Et 10. Wouh! Seconde de pause. Pause. On va prendre un petit peu d'eau. Respire. Pas trop d'eau non plus, c'est pas bon. Surtout quand tu fais des abdos, oui. L'eau va se promener dans ton ventre. Flouque, 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 dans flique, ton flique, ventre. Flic, flic, flac. Rire, ça fait travailler de vos abdos aussi. Ouais. Donc, Mme Labelle vient de faire un exercice de plus. Donc, on se prépare, on repart, kick gainage, 20 kicks. Et c'est parti! De 20, 30 crunch, on enchaîne. Ouh là là! Est-ce que je peux mettre mes mains à l'arrière de ma nuque? Quand on met les mains à l'arrière de la nuque, ce qui arrive, c'est qu'on est souvent tenté à tirer sa tête vers le haut. Ce qui n'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit les abdos qui travaillent. Je sais plus, je t'accompagne. 20. Et 1, et 2. Let's go, guys! Ce que vous entendez, c'est le tapis et non pas Coach Fred qui lâche des pets à chaque fois qu'il fait ça. Un gros pet de dos parce que j'ai le dos musclé. Mais ensemble, si vous voulez aussi, vous pouvez faire les papillons. Fermez les mains, ça vous donne un peu plus de jeu. Et c'est parti. Pour 40. Cette île-là, ben, on l'a appelé. Avec un petit peu de full body. C'est un full body. 10! Yeah! Wouh! Pour une petite pause. On est rendu au dernier bloc, c'est ça? On est rendu au dernier bloc, ça fait combien de temps? 13 minutes. 13 minutes, parfait. Le dernier bloc, ça va être 3 sets de 3 exercices de jambes. Donc, on a des lunges, des squats et la chaise. Pour la chaise, vous avez deux choix. Soit on la fait au mur, si vous avez un mur à proximité, ou vous pouvez la faire sur place, comme ce que Mme Labelle et moi, nous allons faire. Donc, on prend une gorgée d'eau, on se lève debout. Alors, nos capsules, c'est la preuve que tu es capable de t'entraîner à la maison, sans prendre beaucoup de temps, puis que ça soit efficace. Rien de mieux à dire. Donc, on y va pour les lunges. Tu as deux choix, soit tu les fais sauter, soit tu les fais normal. Si tu les fais normal, on va enchaîner 15 lunges de la jambe droite pour switcher ensuite 15 lunges de la jambe gauche. Si tu les fais en sautant, on y va en alterné. Donc, nous, on va les enchaîner sans sauter. Donc, tu te places bien large. On vient se placer au sol. Et c'est qu'on va repartir en reculant la jambe en avant, en arrière. Ça va faire 1. 2, et ainsi de suite. T'es prête? Prête? Prête. Et c'est parti. 1, 2. Puis assure-toi de garder ton genou en ligne avec tes orteils. 5. Faut pas que ton genou rentre à l'intérieur. 6. 7. Le pied en avant bien à plat. 8, au sol. Et tu forces pas des orteils. 6. 11. Plus que 4. 12. 13. 14 et 15. Change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle prestance. 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Yeah! On enchaîne avec 10 squats. Donc, je vais me mettre de côté. Madame Abel va se mettre de face. Vous regardez bien les genoux et les hanches. C'est parti. 1. Qu'on force les genoux à aller vers l'extérieur un peu. Vous voyez, les genoux ne dépassent pas les orteils et on s'assoit vers l'arrière. On regarde en avant. Et 10. Super. Et on enchaîne avec 45 secondes de chaise. 3, 2, 1. Monsieur Glaure, c'est parti. Donc là, ici, on met notre poids sur nos talons. Exactement. On pousse les fesses en arrière. Exactement. On pousse les fesses en arrière, on met les mains en avant. Pourquoi? Pour se garder en équilibre, pour être sûr de ne pas tomber vers l'arrière. Ça fait 15 secondes, guys. On s'assure de garder un angle de 90 degrés. Alors, c'est beaucoup plus dur comme ça que si tu as un mur, hein? Oui. Allez, 15 secondes. Lâche pas, c'est bon. Après, on est en pause pendant 30 secondes, guys. Dans 10 secondes. 5 secondes. Yes. Allez. Et stop! Ouh. Oh my God! Good job! Good job! 30 secondes de pause. Vous travaillez bien, guys. Si vous avez chaud, si ça brûle, c'est que c'est payant. Si c'est trop facile, que t'as pas assez chaud, je pense que tu peux te donner une petite tape dans le dos pour aller te donner un petit peu plus. C'est toi qui s'entraîne. C'est pour toi que tu le fais. Personne d'autre. On va reprendre avec les lunges. Donc, je rappelle, il y a deux choix. En sautant alterné ou 15 de la jambe droite, 15 de la jambe gauche. Donc, si t'as pas chaud, go en sautant. Et c'est parti. Six. OK, change de jambe. 3. Le sourire, ça envoie un message à ton cerveau que tu aimes ce que tu es en train de faire. Alors, M. Aguilar vient de corriger M. Granier. Vous n'avez rien vu, il a dû mettre sa jambe un petit peu plus à l'extérieur. Et 15. On y va pour 10 squats. C'est parti. Ouf, ça brûle. Ah oui, hein? 8, 9 et 10. Oh! On y va pour la chaise en 3, 2, 1. C'est parti. Alors, le dernier effort, gang. Let's go. On va avoir fait 2 sets sur 3. Que ça brûle. Lâche pas. Donc c'est quand que ça brûle, guys, que vous cherchez souvent des excuses pour arrêter. Donc c'est un combat mental, c'est plus physique. Mais vous devez vous battre par-dessus ça. Changez-vous les idées, regardez autre chose, parlez avec quelqu'un. Ça aide. 5 secondes. Lâche pas. 2. 1, terminé. Oh my God! C'est pas facile. Alors, tu secoues les jambes ou quoi? Pour accélérer la circulation sanguine. Comme ça, ça fait moins mal. Et en même temps, ça va me permettre de mieux forcer après. Parce que ce qui se passe quand tu contractes ton muscle, tes vaisseaux sanguins s'écrasent parce que ton muscle prend de l'expansion. Puis là, la circulation se fait moins bien. Donc, quand tu arrêtes de forcer, c'est ça le feeling. Quand tu as l'impression, wouh, ça repart, le sang recommence à circuler. Ça fait 30 secondes. Alors là, cette pochette-là va être dure. C'est le dernier set, c'est ici que ça se passe. C'est juste ici que ça se passe. Parce que physiquement, tu es capable.
On y va pour 30 lunges. 15 jambes droites, 15 jambes gauches. C'est parti. Ouh! Ouh là là! Oh my God! C'est bon! Alors, on va travailler, on va avoir des cuisses de feu, des fesses de feu, des abdos de feu. Des pecs de feu, un cardio de feu, et une personnalité de feu. Et on est en feu! Et j'ai oublié de compter, on doit être à 10. Et 15. Change de jambe. Alors, tu peux nous parler hein, aussi à la maison. C'est le moment de dire des choses hein, à tes coachs sans qu'ils t'entendent. Tu peux aussi forcer tes parents, tes frères et sœurs à t'entraîner avec toi, histoire de leur montrer un peu ce que tu fais à l'école. Ouais. Et les mettre au défi, hein? 11. Il reste 3. 13. 14, vite pour boire. Ouh, hein, coach Fred, les jambes sont molles. Les jambes sont fatiguées, j'ai les genoux fatigués. C'est parti, 10 squats. OK. Si c'est pas assez dur, saute. Attends-toi pas à ce qu'on saute. 5, 6. Alors descends, descends. 9 et 10. Et le dernier. Et non le moindre. Ça sera pas facile. Attention, dans 3, 2, 1, ça me tombe pas. C'est parti. Mais on le fait pareil parce que après ça, on va être fiers. On le fait pour vous. Donc, parlez-nous un peu, là. Ouais. Racontez-nous votre journée. Racontez-nous à quel point vous nous aimez. Oui, ça, on aime ça. Vous aimez Madame Labelle, Monsieur Aguilar, Monsieur de Grandpré, Monsieur Cranier. Pas les profs. Non, pas les profs. Juste nous. À quel point on est les meilleurs. Quel point vous aimez ça en ce moment, être dans la même situation que nous, là, à souffrir, ça brûle, vous avez chaud. Madame Labelle, trichez pas avec votre dos, vous êtes trop penché. Vous avez peut-être envie de pleurer. Oh oui. Ouh, ça fait mal. Trois secondes. 2, 1. Oh, oh yeah, bravo. Oh my God. Applaudir, vous avez le droit. Donc, est-ce qu'on fait un petit étirement? Non. Okay. Les étirements, si vous voulez les faire, vous avez des sessions de yoga, OK, qui sont d'étirements, qui sont de relaxation. Ça serait bon d'enchaîner avec une vidéo comme ça. Allez la voir. Ça va vraiment vous intéresser et vous allez vous risquer de vous y accrocher aussi. Puis on va faire une capsule stretch dans les prochains jours. Dans les prochains jours, donc restez au parfum. Ça va être le fun. Merci. Ciao. Bye. Bye.